Alors voilà une grave question. Que se passe-t-il quand quelqu'un emprunte un discours qui ne correspond pas à sa nature profonde? De la même façon, que se passe-t-il quand une langue emprunte des mots qui ne correspondent pas à sa structure de langue? Des emprunts. Dans les deux cas, ce sont des emprunts. Alors, donc finalement, la question, c'est le problème de la phénoménologie de l'emprunt. Qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que ça justifie, qu'est-ce que ça révèle que d'emprunter? Quelle est la cause et la conséquence de l'emprunt? Et comment peut-on déterminer qu'il y a emprunt? Comment peut-on prouver qu'il y a emprunt? Voilà la question qui se pose. Et, quelque part, quelqu'un qui a emprunté une chose n'en connaît pas, ne maîtrise pas bien cette chose, en quelque sorte. Ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Il va tenir un discours, un segment de discours, mais quand on va creuser un petit peu, il ne saura pas. Et ça voudra dire qu'il a emprunté, en fait. Hein? C'est comme quelqu'un, par exemple, une importation, c'est aussi un emprunt. Comment peut-on savoir que tel produit a été importé? Ben, une des raisons pour lesquelles il a pu être importé, c'est qu'on ne produit pas ce produit sur place. Il n'y a pas les infrastructures pour générer ce produit. Donc s'il n'y a pas les infrastructures, ce produit, il n'est pas là. De même façon, par exemple, quelqu'un qui joue du piano, il joue une certaine pièce de piano, est-ce que c'est un emprunt ou est-ce que c'est de lui? Là encore, est-ce qu'il a le tempérament, est-ce qu'il a le comportement, est-ce qu'il a le mode de vie qui correspond à cette musique qu'il va jouer ou est-ce que c'est un emprunt? On a souvent discuté là-dessus, des gens qui tiennent des discours qui ne correspondent pas à la réalité de leur existence. C'est aussi un emprunt. Quelqu'un qui... On voit bien que son mode de vie n'est pas en accord avec son propos, avec ses paroles. Ça, ça peut choquer, et c'est normal que ça choque. Parce que c'est un emprunt, et l'emprunt brouille les pistes, par définition. L'emprunt crée de la confusion. Bon, j'en ai parlé longuement à différentes reprises. Mais il est essentiel, par exemple, quand une femme dit quelque chose, est-ce que c'est elle qui le dit? Est-ce que ça vient vraiment de ses tripes ou pas? Alors, certains diront, mais on n'a pas, notre pensée ne vient pas des tripes. C'est un débat. Moi, je fais partie des gens qui pensent que nous avons notre constitution physique et quelque chose qui détermine normalement notre véritable propos. C'est-à-dire notre véritable vérité, à nous. Si j'emprunte la vérité de quelqu'un d'autre, il y a un décalage, il y a un hiatus. Et généralement, comme on dit, chasser le naturel revient au galop, quelqu'un qui emprunte va donner le change, va faire croire qu'il est comme ceci alors qu'il ne l'est pas, mais tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la vérité, le véritable visage va se dévoiler, va se démasquer.